l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh qui m'a l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Chanson de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. L'amour est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, oh, est si merveilleux, l'amour de Dieu, alléluia, est si merveilleux, l'amour de Dieu, oh, est si merveilleux, oh, quel amour. Comment il est? Il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le abaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Comment il est? Il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le abaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Papa, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te rendons des actions de grâce. Parce qu'en ce moment encore, Seigneur, tu nous as rassemblés au devant de toi. Seigneur, tu as appelé chacun de nous. Parce que Seigneur, tu as des merveilleuses choses à nous dire encore ce matin. Oh, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te bénissons. Parce que Seigneur, en cette matinée encore, tu as accepté la louange. L'adoration, c'est un privilège que tu as fait à chacun de nous de venir en ta présence ce matin, de venir te louer, te célébrer. Et aussi, Seigneur Jésus, tu ne veux pas, Seigneur, nous laisser partir comme ça, parce que tu as des instructions à nous donner, parce que tu as, Seigneur, des conseils à nous prodiguer, comme un père qui prodigue des conseils à ses enfants. Nous sommes rassemblés ce matin, Seigneur. Papa, notre prière, c'est qu'il n'y ait pas, Seigneur, un blocage entre le trône de grâce et nous qui sommes ici. Que ton eau, Seigneur, l'eau de ta parole coule, Seigneur Dieu, depuis ton trône, et que cette eau, Seigneur, se répande pleinement dans ce lieu. Je prie, ô Éternel, que les âmes soient guéries. Je prie, Seigneur Dieu de grâce et de bonté, que les besoins soient comblés. C'est quand ta parole vient, elle vient comme une pluie, Seigneur. Et quand la pluie vient sur la terre, elle arrose la terre. Elle ne peut pas finir, elle ne peut pas rentrer à toi sans avoir fini. C'est pour ce donc pourquoi il a été commandé de venir. C'est pourquoi ta parole aussi, quand elle vient, Seigneur Jésus, c'est, Seigneur, pour faire de grandes choses, pour renverser les raisonnements, pour renverser les forteresses, pour changer notre façon de vivre, pour changer nos habitudes et pour nous renouveler davantage. Seigneur, je prie maintenant que tu prennes contrôle et que, Seigneur Jésus, tu redoubles maintenant la protection. Je prie, Seigneur, que ton feu se lève en muraille tout autour de ce lieu. Je te le supplie. Parle et nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis ce matin très content, dans la joie de voir mes bien-aimés, de les rencontrer, de partager aussi la parole ensemble, d'adorer le Seigneur, de le célébrer ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous voulons parler
de la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Le thème que nous donnons à ce message, c'est « Né de nouveau pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia. Amen. Je reprends. « Né de nouveau pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'intrigue souvent. Quand nous sommes en évangélisation, tu parles de Jésus à quelqu'un, il dit « Non, moi je suis né de nouveau. » Alléluia. Il dit « Non, moi je suis né de nouveau. » Mais quand tu le vois, son habillement me la laisse à désirer. Alléluia. Amen. Tu peux rencontrer quelqu'un dans le début de boisson, il te dit que lui, non, lui il est né de nouveau. Alléluia. Tu peux rencontrer quelqu'un dans une situation critique de péché. Il dit non, lui, il est né de nouveau. Donc, tu lui donnes souvent le traité. Il dit non, moi, je suis né de nouveau. Donc, il n'a plus besoin de ton traité. Là. Il n'a plus besoin. C'est comme si quand on est né de nouveau, on n'a plus besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je ne sais pas si des gens ont aussi rencontré ce cas-là. Quelqu'un te dit qu'il est né de nouveau. Quand tu prends un peu... Chez les pentecôtistes, là, c'est versé. C'est très facile de te le dire. Alléluia. Le pentecôtiste a dit, non, je suis né de nouveau. Donc, il a déjà passé le diplôme, comme pour dire. Amen. Alléluia. Quand tu descends chez les protestants, bon, quelqu'un va douter. Est-ce que, bon, en tout cas, je suis né de nouveau, ainsi de suite. Mais quand tu descends même de l'autre côté, là, on va te dire que tu déranges même. Mais de nouveau, tu déranges même. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Et je voudrais poser cette question. C'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que quelqu'un peut nous dire, nous donner le micro là? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en quelques mots ce que c'est que la nouvelle naissance? Ça veut dire quoi? Nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Gloire à Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Selon moi, la nouvelle naissance, comme Jésus a dit à Nicodème, c'est être né d'eau et d'esprit. Être né d'eau et d'esprit. Acclame pour sa vie. Amen. Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Amen. J'acclame Jésus pour sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Être né d'eau et d'esprit, ça se passe comment? C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter? Alléluia. La nouvelle naissance aussi implique que c'est revêtu de l'homme nouveau aussi. Revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Revêtir l'homme nouveau. Autre réponse? Donner des réponses lourdes. Hein? Celui qui est dehors, là, il ne comprend pas ça. Être né d'eau et d'esprit. Revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, comment? Revêtir. On arbore, n'est-ce pas? Amen. L'homme nouveau. Donc, on parle à acheter un homme. Bon. Alléluia! Voilà. Être nouveau, c'est de se repentir de ses péchés. Oui. Et décider de suivre Jésus en vérité et en vérité et en esprit. Se repentir, c'est-à-dire abandonner ses péchés. N'est-ce pas? Dans une vie. Oui. Tout cela et décider d'en vérité. Et suivre Jésus en vérité et en esprit. Suivre Jésus en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça, c'est un peu lourd. Hein? Ok. Gloire à Jésus. Ah, ok. C'est devenir chrétien spirituel et non chrétien charnel. Alléluia! Gloire à Jésus. Chrétien spirituel, non chrétien charnel. Bon, en fait, quand on dit même Alléluia. Quand on dit même chrétien charnel là-bas. Alléluia. Chrétien spirituel. Chrétien charnel. Tout ça là, c'est pour nous. Nous devons comprendre ça ici. Alléluia. Amen.
Amen. Celui qui est dehors, là, c'est du ciel. Mais le passage il va nous aider. Alléluia. Amen. Ok, nous allons commencer par l'entretien de Jésus avec Nicodème. Alléluia. Amen. Jean, le chapitre 3. Quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement? Jean, le chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 1. Et nous allons jusqu'au verset 10. Jean chapitre 1. Oui. Jean chapitre 3. Oui. Verset 1. J'ai la parole de Dieu avec respect. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répond, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà quelqu'un qui était à l'extérieur, n'est-ce pas? À qui on donne la réponse, hein, pour laquelle nous-mêmes là, nous répondons tout à l'heure, d'accord? Amen. Pour la question que nous nous posions tout à l'heure. Alléluia. Amen. On continue. Nicodème lui dit, uh-huh. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Uh-huh. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Uh-huh. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut-il encore naître? Parce que naître de nouveau veut dire tu étais déjà né, mais tu renais encore. Alléluia. Amen. Nouveau, de nouveau veut dire renaître. Comment quelqu'un peut rentrer encore dans le ventre de son père, n'est-ce pas? Ou de sa mère, pardon, et pourquoi on l'accouche encore? Est-ce que c'est possible? Non. C'était une question difficile. Pour ce docteur de la loi qui est Nicodème. Alléluia. Voilà. Donc, comment quelqu'un peut être un chrétien spirituel et non un chrétien charnel, n'est-ce pas? Amen. Comment quelqu'un peut être né d'eau et d'esprit? Ce sont les questions qu'on se pose. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut revêtir l'homme nouveau? On continue. Jésus répond, en vérité, je te le dis, oui. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu es né, ta maman, ta maman t'a conçu dans le ventre et tout, elle t'a porté de moi, tu es né. Alléluia. Ça, c'est selon la chair. D'accord? Ça, c'est selon la chair. Maintenant, il faut encore une sorte d'opération. Alléluia. Amen. Il faut encore une autre étape pour renaître. Pour que maintenant, tu sois celui-là qui est né d'esprit. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus, on continue. Et n'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es dehors, tu dis que tu comprends un homme spirituel. C'est difficile. Si tu comprends un homme spirituel, c'est que quand tu vois le vent comme ça, tu connais d'où il est, d'où où il va. Alléluia. Amen. Oui. Si tu dis que tu comprends un homme spirituel, c'est que tu es capable de détecter d'où le vent qui est et où il va. Mais si tu ne le sais pas, c'est que tu ne peux pas aussi comprendre un homme spirituel. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus, on continue. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Uh-huh. En vérité. Oui.
Oui, on peut y aller. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà ce que c'est que la nouvelle naissance. Nicodème qui était du terroir, Nicodème qui était parmi les docteurs de la loi. Ça veut dire docteur de la loi, ça veut dire quoi? Il a étudié la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Donc, et c'est lui-même qui enseigne ça. Quand on dit docteur de la loi, c'est pas parce que tu as seulement étudié, mais tu enseignes ça aux autres. Tu as même des élèves. Tu enseignes. Et quand on dit loi de Moïse, cela découle aussi du Seigneur. Il est docteur de la loi, mais il ne comprend pas comment quelqu'un peut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, lui, il vient, puisque, regardez le cœur de celui-ci, là, de ce docteur de la loi. Un cœur humble. Ça veut dire qu'il écoutait les enseignements de Jésus. Et quand il écoute ça, il y a des choses même qui le savent. Mais il sait quand même que par rapport aux choses que le Seigneur fait, il sait que celui-là vient de Dieu. Oui, il le sent. Mais quand il va dire « j'accepte Jésus maintenant », ce sont les persécutions qui allaient commencer. Les autres n'allaient pas le comprendre. Et il a préféré donc aller de lui rencontrer Jésus. On sait que toi là, tu viens de Dieu. Parce que les choses que tu fais là, si quelqu'un ne vient pas de Dieu là, il ne peut pas faire ces choses-là. C'est là où Jésus va le récupérer pour dire, tu es un docteur de la loi, mais il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas doux et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, quand on dit naître doux et d'esprit, je voudrais te dire ce matin que ce n'est pas du slogan. Ce n'est pas comme une formalité. Alléluia, vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une formalité. Puisque les religions ont compris que, en fait, il faut seulement aller se baptiser. Hein? Dès que tu es baptisé, bon, Dieu va te donner aussi le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. C'est ça, hein? C'est ça chez les religieux. On va te baptiser. Et quel baptême? Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas, dès que tu sors là, c'est fini, hein? Sors alors, va, tu es déjà baptisé. Et c'est pour eux, comme tu es entré dans l'eau, tu es sorti là, tu le choisis déjà du Saint-Esprit. On n'a même pas besoin de prier. Toi-même, tu n'as pas besoin de prier, et ainsi de suite. Bien-aimé, je voudrais te dire pour toi qui es venu au Seigneur et qui veut marcher, qui veut adorer le Seigneur en esprit, en vérité, c'est que ce n'est pas de la formalité. Tu es né tôt, d'accord. Tu es entré, mourir et ressuscité avec Jésus-Christ. Mais tu dois aussi naître d'esprit. Nous sommes toujours dans Jean, le chapitre 1. Dans Jean, dans le livre des Jean. Au chapitre 1, je lis le verset 12. Il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Alléluia. Amen. Le Seigneur, parce que tu as cru en lui, n'est-ce pas? Parce que tu décides de marcher selon sa parole, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. Le sang et la volonté de la chair, ça c'est tes parents. Alléluia. Amen. Tes parents qui t'ont conçu, qui t'ont donné naissance. Non de la volonté, du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. On vient préciser maintenant, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es né de nouveau, ça veut dire aussi que tu es un enfant de Dieu. À partir de ce moment, tu es un enfant de Dieu. À partir de ce moment, il y a une séparation. Je ne sais pas si les gens ont aussi vécu ça. Quand on était des enfants, hein? Quand on veut parler avec d'autres. Du coup,
il y a des moments où on trace comme ça. Alléluia. Alléluia. Bon, si toi là, si tu es fort là, viens traverser ici. Alléluia. On trace une limite. La nouvelle naissance, c'est ça. Une limite. Ici, c'est le monde. J'ai tourné le dos. Maintenant, je marche avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé. Quand tu es né de nouveau, mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'avant, le Seigneur ne te connaissait pas comme son enfant. Parce que, en fait, tu étais dans le camp de l'ennemi, tu étais dans le camp du diable, et tu appartenais au diable. Parce que les choses que tu faisais, ce sont les choses qui glorifiaient le diable. Ce n'est pas les choses qui glorifiaient le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, à partir du moment où tu décides déjà, à partir du moment où tu reçois maintenant la nouvelle naissance, tu révèles au nouveau, le Seigneur te reconnaît comme son enfant. Et l'enfant vit dans la maison du Père. Alléluia. L'enfant vit dans la maison du Père. Ça veut dire que tu appartiens déjà au royaume des cieux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait pour ceux-là qui viennent à lui. Ceux-là qui sont nés d'eau et d'esprit. À partir de ce moment aussi, les règlements intérieurs qui existaient dans le monde ne sont plus valables. Alléluia. Il va falloir maintenant s'adapter à un autre règlement intérieur. Alléluia. Amen. Il y a maintenant des nouvelles choses qu'on va pratiquer. À partir de ce moment, ce n'est plus que je veux, mais c'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire autrefois, vous étiez conduit par les traits de ce monde. Vous étiez dans vos vanités. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à ce que le Saint-Esprit t'a dit. Alléluia. En fait, le chrétien, à ce moment-là, le chrétien devient spirituel. Le chrétien devient un ange de Dieu sur terre. Alléluia. Il devient un ange de Dieu sur terre. Parce qu'à partir de ce moment, tu es en train de dire à Dieu que je suis maintenant disponible pour que tu m'utilises. Pour que je puisse faire ta gloire. C'est ce que le Seigneur est en train de... C'est ce que nous devons comprendre dans la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Quand nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas ce que notre chair veut que nous faisons, mais ce que le Seigneur veut. En toute chose, je dois connaître quelle est la volonté de Dieu. En toute chose. Quand je suis né de nouveau, ce n'est plus la nourriture, le vêtement, la richesse de ce monde, qu'est-ce qui me préoccupe? Alléluia. Amen. La première chose qui me préoccupe, c'est que le royaume des cieux puisse s'élargir dans ce monde. Amen. Alléluia. S'élargir. Quand je rencontre une personne pour la première fois, là, mon vœu dans mon cœur, c'est que, est-ce qu'il connaît Jésus? C'est ça. C'est ça le règlement intérieur dont on parle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que lui, là, il connaît Jésus? Et s'il ne connaît pas Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu annonces, tu dis, bon, vraiment, mon frère, donne ta vie à Jésus, hein, parce que la vie que tu vis et tout ça, on va te gifler même. Alléluia. Amen. On va te gifler, on va te chasser. Mais est-ce qu'il faut rester? Tu ne peux plus rien faire parce qu'il ne veut plus te voir, parce qu'il ne voit plus ta tête. Toi, tu vas rester aussi quand tu bon, d'accord. Comme tu vas gifler là-dedans, je ne reviens plus jamais sur. Est-ce que c'est ça? Non. Dans le lieu secret, tu dois prier encore pour la personne. Oui. Si ta parole ne peut pas le rattraper, ta prière va le rattraper. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ta prière va rattraper celui-là. Et un jour, il va décider. Si ce n'est pas toi qu'il cherche, ce sera une autre personne qu'il va chercher. Je ne sais pas si j'ai raconté une fois ce témoignage. Un étudiant en Gaoulere qui décidait de marcher hein, de chambre à chambre pour donner, pour prêcher la parole, pour partager la parole.
Alléluia. Amen. Il décide à décider. Il entre donc dans la chambre d'une étudiante. Il sort sa Bible et il commence à prêcher. L'étudiant dit, ne reviens plus jamais ici. Parce qu'elle ne veut pas entendre ça. Il est sorti. Une autre fois, quand il a fait un tour de ce côté-là, il a tourné, tourné chez les autres, il rentre encore là-bas. Il croit encore. Je te dis que si c'est par rapport à tes choses-ci, là, ne reviens plus. Et pas. Parce qu'il espère toujours qu'un jour son cœur va changer. Il a fait un tour encore dans cette cité-là. Dans cette cité-là. Il vient encore pour la troisième fois. Dès qu'elle l'a vu là, il lui a versé de l'eau. Il lui a versé de l'eau, l'a chassé. Il a fui jusqu'à décéder sa vie. Il est parti. 5 ans après, le Seigneur va rattraper celle-là. Un jour, elle était dans des situations difficiles, des situations compliquées. Jusqu'à, elle pense même que sa vie sur terre-là, ça ne sert plus à rien. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'elle se donne la mort? C'est elle-même qui témoigne. Hein? Alléluia. C'est comme ça que elle voit dans la Bible de celui qui avait fui là, hein, posé sur la table, parce que celui-là n'est venu, n'est plus jamais revenu pour chercher sa Bible. Amen. On va prendre la Bible là. La première fois qu'elle ouvre, je ne sais plus quel passage elle a ouvert, mais le passage parlait exactement de sa situation. Exactement de sa situation. Quelle est la solution, c'est Jésus. Elle est sortie maintenant pour chercher les enfants de Dieu. Et elle est tombée donc dans une église où les gens priaient pour elle. Et à partir de là, elle est devenue chrétienne. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est des choses comme ça qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Oui, la vie que le Seigneur a mise en toi, cette vie-là doit briller. Cette vie-là doit être une lumière pour les autres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je crois qu'on comprend maintenant ce que c'est que la nouvelle naissance. Quitter d'un lieu à un autre. Quitter d'une vie à un autre. Quitter une vie de péché. Accepter Jésus. Accepter le baptême, n'est-ce pas? En son nom. Être baptisé en son nom. Et être aussi baptisé du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas toi-même qui fais. Non, tu ne peux rien faire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est ce qu'on appelait dans la loi. Non seulement dans la loi, mais c'est qu'Abraham même, depuis Abraham, n'est-ce pas? La circoncision. Alléluia. Amen. Oui. Pour le Seigneur, tous les enfants, mâles, n'est-ce pas? À partir d'Abraham, doivent être consacrés à lui. Mais pour signifier cette consécration-là, c'est qu'à partir des 8e jour déjà, quand l'enfant est né, il fait 7 jours, un enfant mâle, je dis bien, le garçon. Quand il naît, 8e jour, on doit le circoncire. Pour dire qu'il appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui donc, puisque ça a créé aussi une polémique entre les apôtres et tout ça, la circoncision, parce que les Juifs voulaient que, comme Paul prêchait chez les païens là-bas, quand quelqu'un accepte Jésus, il doit se circoncire. Alléluia. Amen. Oui, un homme là, il doit se circoncire. S'il ne se circoncit pas là, non. C'est qu'il n'est pas encore chrétien. Et il n'accepte même pas qu'il entre même à Jérusalem. Ils ont des difficultés à manger avec lui. Parce que c'est un incirconcis. Mais c'était l'ombre des choses, bien aimé. Cette circoncision voulait signifier pour le Seigneur que c'est une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. C'est la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on nous parle de la circoncision du cœur. Il s'agit du cœur qui doit subir cette transformation. Le cœur décide maintenant d'abandonner des mauvaises choses qui étaient remplies en lui. Et il rejette maintenant ces mauvaises choses-là pour maintenant accepter Jésus, pour marcher avec Jésus, pour pouvoir
et respecter les commandements. Pour pouvoir obéir au Saint-Esprit. C'est ça. Un cœur qui est encore rempli de choses mauvaises ne peut pas, même s'il le veut, ne peut pas obéir à Jésus. Un cœur que le Saint-Esprit n'a pas encore transformé, ce cœur ne peut pas écouter les choses de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens 2. Vous allez comprendre. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de ça. 1 Corinthiens 2. Quelqu'un à la page, il nous fait lecture. Lisons à partir du verset 13. C'était dans Romains, c'est pour ça que ça m'étonne. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 13, dit la parole de Dieu avec respect. Mm-hmm. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia! On emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. En fait, ce que le chrétien né de nouveau fait, c'est des choses spirituelles. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes les anges de Dieu sur terre. Parce que les anges, ce sont des esprits. Alléluia. Oui, on continue. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de l'homme, de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai dit, c'est la Bible, non? C'est la parole de Dieu. Il existe d'homme animal. L'homme animal. Il ne peut pas comprendre. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Allons-y. Car elles sont une folie pour lui. Une folie pour lui. Oui. Pendant que quelqu'un est en train de se préparer pour aller jouer au match de football, tu lui dis non. Viens, on part évangéliser. Il y a Cameroun, Brésil, tout à l'heure à 15h. Toi, tu dis qu'à 15h, on peut avoir le téléphone pour aller évangéliser. Ça, c'est quoi? Ton pays joue là, tu ne peux pas suivre. Voilà l'homme animal. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Quand tu lui racontes, tu dis que le Seigneur m'a donné une vision, j'ai vu le ciel et tout ça. Comment ça? C'est que tu es un sorcier. Il ne comprend pas. Oui, bien aimé. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement. C'est parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui, ces choses, on les comprend spirituellement. Ces choses, on en juge spirituellement. C'est spirituellement que tu peux comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. C'est spirituellement. Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Amen. Voilà, l'homme spirituel, lui, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. D'où est-ce que c'est une grâce que le Seigneur t'a fait pour que, à la nouvelle naissance, tu quittes de l'homme animal à l'homme spirituel. Pour des choses spirituelles. Alléluia. Amen. C'est une grâce. L'homme animal, les choses ne peuvent pas. Oui, bien aimé. Merci. Merci, c'est bon. Alléluia. Amen. Voilà donc, bien aimé. C'est une grâce que tu obtiens de la part du Seigneur. Pour que tu sois un homme spirituel. Le Seigneur te donne la nouvelle naissance. Le Seigneur veut que, à partir de ce moment-là, tu obéisses maintenant à sa loi. Alléluia. Le Seigneur est même dans ta vie, là, le Seigneur est même dans les moindres choses à partir de ce moment-là. Ne dis pas que telle chose que j'ai fait là, le Seigneur n'est pas dedans. Non, dans tout ce que tu fais, même si tu es dans les études, le Seigneur est dedans, dans les moindres détails. Oui, si tu ne lis pas
tes cours et autres là, tu pêches. Alléluia. Oui. Le Seigneur n'est pas la paresse. Il est dedans. Il est dedans. Si tu es dans un travail et que tu fais le travail là comme ça, le Seigneur est dedans, c'est un péché. À partir de ce moment là, c'est un péché. Mais l'homme animal ne comprend pas ces choses. Il va te dire falsifiant telle chose. Ici, la modifiant telle chose. On modifie pourquoi? Ce n'est pas conforme à la vérité. Il ne comprend pas. Il dit tout le monde fait comme ça. Toi, tu dis quoi même? Alléluia. Amen. Pour obtenir même tes dieux quelque part. Il dit non. Ici, là, tu donnes 50 000 l'argent la sort. Tu donnes 50 000 pourquoi? Mais c'est tout le monde qui fait comme ça. Toi, ta tête est dure. C'est ça l'homme animal. Il ne comprend pas ces choses. Alléluia. Mais l'homme spirituel, lui, il comprend, il sait. Il sait qu'à ce moment-là, c'est le péché. Quand tu obtiens quelque chose moyennant, ça veut dire que, en fait, c'est de la corruption. L'homme spirituel connaît cela. Même s'il ne le connaissait pas, le Saint-Esprit à lui va lui dire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va lui dire, va le troubler pour qu'il comprenne que ce qu'il s'est décidé faire là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire 2 Corinthiens. Le fameux 2 Corinthiens, on a lu ça plusieurs fois, hein? Mais c'est le Seigneur qui veut que nous lisions encore. 2 Corinthiens. Le verset, nous commençons à partir du verset 16. Ici, nous allons doucement. 2 Corinthiens, quelqu'un à la page 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 16. Nous allons doucement. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 16. Oui. Ainsi, dès maintenant, oui. Nous ne connaissons personne selon la chair. Mm. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Voilà ce qui se passe, bien-aimé. Parmi les apôtres, il y avait des apôtres qui ont vécu avec Jésus. Amen. Qui ont mangé avec Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont marché avec Jésus. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire non, les choses que nous avons vues et que nous avons écoutées. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Mais l'apôtre Paul va dire maintenant que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Jésus, là, nous ne le connaissons pas selon la chair. Parce que si c'est selon la chair, nous allons dire que c'est quelqu'un qui est né et il a grandi dans tel lieu, il a fait 33 ans et il est mort, terminé. Alléluia. Amen. Si c'est selon la chair, c'est ce que nous allons dire et nous allons nous arrêter là. Mais si nous connaissons Jésus par la foi, si nous connaissons Jésus par connaissance, si nous connaissons Jésus par révélation, alors nous pouvons continuer maintenant pour donner une signification même à sa vie. À sa venue sur terre. Comment il a grandi jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Tout a une signification. Alléluia. Amen, amen. Il est mort. Sa mort, il a été enseveli. Tout ça, ça a une signification. Et il est ressuscité. Tout ça, ça a une signification. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Et après, est-ce que ça s'est arrêté? Le Saint-Esprit qui descend, et le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire que nous sentons Jésus, Jésus est toujours vivant. Il est là avec nous. Nous donnons une situation à la vie de Jésus. C'est pour ça que, ici, l'apôtre Paul va dire, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce n'est plus de cette manière. Même si vous avez eu à voir Jésus, même si vous aviez mangé avec Jésus, si votre vie là, n'a pas changé, si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur personnel, vous périssez. Ce n'est pas le fait d'avoir dormi avec Jésus. Ce n'est pas le fait d'avoir mangé avec Jésus
qui est quelque chose. Mais ce qui est quelque chose, c'est de communier là où vous êtes là, avec Jésus. C'est de le connaître. C'est de le connaître, de communier avec lui. C'est ça qui est quelque chose. C'est d'obéir à sa loi. Obéissance. Une vie d'obéissance. Une vie qui vous fait voir Jésus au-dessus de tout. C'est cette vie-là que vous devez avoir. Si vous n'avez pas cette vie, ne dites pas que vous connaissez Jésus. Nous connaissons Jésus, nous lisons ça dans la Bible. Et Jésus a fait ceci. Vous connaissez toute l'histoire de Jésus. Mais si vous ne le connaissez pas spirituellement, oh non, mais vous êtes malheureux. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est cette vie-là. Nous le connaissons pas seulement comme ça. La foi doit nous lier à Jésus. Cette foi qui nous a amenés à lui. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. On a entendu la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Cette parole, nous avons entendu. Ça a créé la foi en nous. Alléluia. Et nous avons accepté Jésus. Maintenant, cette foi-là, nous devons continuer pour que ça grandisse davantage. Au fur et à mesure que ta foi grandit avec le Seigneur, il te montre encore de nouvelles choses. Il te montre encore de nouvelles choses. Il te montre encore de nouvelles choses. Et il voit que toi là, il peut encore te donner plus de choses. Il peut encore te confier des choses. C'est ça. Mais à chaque fois tu échoues, à chaque fois, tu échoues. Alléluia. Chaque fois, tu échoues. À tel niveau, un péché que tu avais quitté, tu retournes encore là-bas. Le Seigneur va dire, merde, alors que j'étais sur le point de lui confier telle chose qu'il va faire dans ma maison. Quand tu es dans la maison, le père vous partage le travail, non? C'est pas ça. Oui, Jésus est notre Père. Nous sommes ses enfants. Maintenant, il donne des tâches à chacun. Il dit, toi, tu veux telle chose. Toi, tu veux ceci. Toi, tu veux cela. Toi, tu veux cela. Mais il veut te parler, il veut te confier telle tâche. Mais il voit que tu retournes encore. Tu sors de la maison pour aller faire des choses. Pour aller te souiller. Oh non. Il est obligé d'attendre. Mais il espère que tu changes encore. Parce qu'il est amour. Alléluia. Amen. Oui. Il espère que tu changes encore. À un certain niveau encore, tu roules encore de ce côté. Et ainsi de suite. Bien aimé, ce n'est pas de cette façon que nous avons connu Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Mm-hmm. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tu dis que tu es maintenant en Christ, tu es né de nouveau, non? Tu es entré dans la maison, non? Les principes ont changé. Mais toi, tu n'as pas changé. Tu n'obéis pas à ce nouveau principe. Les choses ont changé. Les choses anciennes sont passées. Tu étais jaloux, tu étais calomniateur, tu étais pécheur, je ne sais pas, adultère, ainsi de suite. Ça, là, c'est déjà brûlé. Le Seigneur monta la croix du calvaire avec. C'est brûlé, puisque tu as cru. Et ça prend effet. C'est brûlé. Mais pourquoi tu retournes encore là-bas? Tu dois vivre maintenant des nouvelles choses en Jésus. Tu dois vivre des nouvelles choses en Jésus. Des nouvelles expériences avec Jésus. Tu dois maintenant marcher selon sa volonté. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ne dis pas que tel péché l'a pesé, ça m'a dépassé. Ça t'a dépassé, tu as dit ça à ton père. Est-ce que tu as dit ça à ton père? Que telle chose là, je vais quitter, ça m'a dépassé. Tu l'as dit? Tu ne l'as pas dit. Dérange-les jusqu'à ce que ça change. Prie jusqu'à ce que ça change. Parce qu'il est là pour ça. C'est lui qui est notre force à partir de ce moment-là. Si tu prenais ta force dans, comment on appelle ça, le tramol, maintenant ta force là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui. Si ta sagesse là, c'est que tu dois consulter telle personne avant de prendre une décision, avant de faire telle chose, tu dois consulter telle personne, ainsi de suite, tu dois consulter tel livre, ou alors tu dois consulter tel marabout. Cette fois-ci, c'est Jésus qui est ta sagesse.
Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous qui avons quitté le monde et qui sommes venus à lui. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, c'est une séparation. À partir du moment où on a dit qu'on a accepté Jésus, il dit si, c'est une condition. C'est pas une condition. Si quelqu'un est en Christ, si tu dis que tu es en Christ, hein, tu es une nouvelle personne. Tu as déjà revêtu l'homme nouveau, créé, c'est l'homme Dieu. Tu retrouves la gloire qui était en Adam avant le péché. Alléluia. Avant le péché, là, Adam n'avait pas besoin de se cacher. Hein. Avant le péché, Adam n'avait pas besoin de s'habiller. Alléluia. Amen. Adam et Ève, ils ne s'habillaient pas. Mais ils n'avaient honte de rien. Parce que la gloire du Seigneur les couvrait. Alléluia. C'est ça. C'est cette gloire-là que tu retrouves. C'est cette gloire-là que tu retrouves. Et le Seigneur ajoute encore des nouvelles choses. Il ajoute des nouvelles choses. C'est cette gloire que tu as retrouvée en entrant dans la nouvelle essence. Tant que tu n'es pas né de nouveau, là, le Seigneur ne peut pas t'accorder ton esprit. Tu vas faire des dégâts avec. Tu ne peux pas t'accorder les dons spirituels. Alléluia. Il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, c'est grave. C'est des dégâts. C'est des dégâts. Tu ne vas pas gérer ça. Alléluia. Déjà, même tu n'es pas un homme spirituel, tu es un homme charnel. Oh, le Seigneur, c'est à l'esprit qu'il parle. Alléluia. Quand c'est ta chair qui gonfle là, ça là, tu es séparé de Dieu. Bien-aimé, ne joue pas là où tu es venu. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur t'a faite. Pour que tu comprennes maintenant des choses spirituelles. Que tu fasses maintenant des choses spirituelles. Que tu fais des expériences spirituelles avec le Seigneur Jésus. Ne joue pas avec. Tant que tu n'es pas né de nouveau là, tu ne peux pas espérer être sauvé. Mais si tu es déjà sauvé, reste donc et garde-toi de faire les choses encore qui font en sorte que tu ne sois pas sauvé. Alléluia. Amen. Garde-toi de ces choses. Garde-toi de pratiquer les choses qui ne plaisent pas à ton Père. Garde-toi de faire les choses qui n'honorent pas ton Père. Même si ces choses sont petites, devant le ciel, là, il n'y a rien de banal. Devant Jésus, il n'y a rien de banal. Devant les entités spirituelles, il n'y a rien de banal. Les petites choses, petites comme ça que tu fais, ta conscience te dit que ça, là, ce n'est pas bon. La parole de Dieu dit que notre Dieu est plus grand que notre conscience. Alléluia. Dieu, lui, il est plus grand que notre conscience. Si ta conscience dit déjà que ce n'est pas bon, là, reviens vite et demande pardon. Alléluia. Amen. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui nous parle dans notre conscience. Souvent, c'est le Saint-Esprit qui nous parle dans notre cœur pour dire que telle chose-là, ce n'est pas bien. Mais toi, tu fonces. Tu voulais que Dieu te parle comment? Toi, tu veux que Dieu se tienne devant toi et te dit, Jean, toi là, c'est ça? Jean, toi là, ne fais pas comme ça. Tu fais comme ça, là, c'est... Non. Il parle à ton esprit de cette façon. Alléluia. Amen. Nous tous, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas tromper, c'est notre conscience. Ta conscience, tu ne peux pas tromper ta conscience. Jamais. Celui-là qui pratique l'adultère, quand il pratique l'adultère, sa conscience, tu as mal fait. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'enivre tout le temps d'alcool, quand il revient sur lui-même, sa conscience. Puisque souvent, on dit qu'on parle noyer les soucis, n'est-ce pas? Quand on parle noyer les soucis, hein, n'est-ce pas? Quand on va revenir à nous-mêmes, les soucis deviennent costauds. Ils sont encore là. Alléluia! On fait comment? On repart encore. Alléluia! Amen. Voilà ce que hein, l'homme animal fait. Mais l'homme spirituel, c'est que ici, là, ce n'est plus ma vie. Ici, là, ce n'est plus ma vie. Il y en a qui ont
qui ont voulu noyer leurs soucis comme ça là. En route, en allant comme ça, ils ont fait l'accident. Ou alors, ils sont allés, ils ont noyé leurs soucis, d'accord? Mais en noyant les soucis, ils ont trouvé la mort en route. Plusieurs bien-aimés de son adoption. Nous sommes venus à Jésus. Nous sommes dans une maison nouvelle. Nous sommes venus dans une maison où on ne dit pas que toi, tu es trop ancien. Toi, tu es trop nouveau. Alléluia. Amen. Nous avons le même statut. Amen. Nous avons le même statut. Amen. Nous avons le même statut. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le Seigneur veut encore faire des choses nouvelles dans ta vie. Mais maintenant, tu dois respecter donc ton nouveau statut. Ton nouveau statut. Tu as revêtu le nouveau. Tu es le nouveau maintenant dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, tu deviens une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous pouvons lire Matthieu, le chapitre 6. Qu'est-ce que nous devons donc faire maintenant? Ce passage retient vraiment, vraiment mon cœur. Et quand je médite, ça ne finit pas. Alléluia. Matthieu, le chapitre 6, nous lisons du verset 19 à 21. Matthieu, chapitre 6, verset 19 oui. à 21. Oui. J'ai la parole de Dieu à vos respects. Amen. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la digne et la rue détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Oui. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rune ne détruit point, où les voleurs ne percent ni ne déroulent. Où les voleurs ne percent ni ne déroulent. Oui, dérobent. Oui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Question de cœur. Alléluia. Ton cœur est où? Ton cœur est où? Les choses de la terre, les choses du ciel. Ton cœur est où? Ton cœur est où? Ça se voit. Alléluia. Amen. Oui. La parole de Dieu dit que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Des témoins. Il y a les témoins qui voient nous. Voilà. Souvent, ce sont même les païens qui sont des témoins. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Ça détermine où ton cœur est. Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que tu as idée que tu as des trésors au ciel? C'est ça le problème. Si tu n'as pas idée que tu as des trésors au ciel, tu ne peux pas t'intéresser aux choses du ciel. Tu ne peux pas t'affectionner aux choses du ciel. Mais tu vas t'affectionner aux choses d'en bas. Les choses de la terre, les choses qui périssent. Il dit quoi? Vous ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Parce que sur la terre, il y a la teigne, il y a la rouille. C'est vrai. Les gens expliquent ce passage seulement par l'argent, les richesses, les biens matériels. Ce n'est pas seulement ça. Un vrai pour les choses de la terre. Bien aimé. Quand tu amasses, d'accord, je prends le premier exemple, le premier cas que les gens parlent, que les gens expliquent toujours. Quand tu amasses, par exemple, de l'argent, des richesses et autres, la taille et la rouille ici, c'est quoi? Il y a les maladies, d'accord? Il y a les difficultés de la vie. Il y a la mort. Alléluia. Pendant qu'aujourd'hui, tu as 10 millions. Tu cherches encore à avoir 20 millions. Mais en attendant, ta richesse là n'est pas protégée. C'est pour ça que la Bible appelle ça la richesse incertaine. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas protégé. Pop, une petite maladie. On dit, bon, mal de rein, et puis maintenant c'est la dialyse, c'est ceci.
par, c'est par semaine que tu vas dépenser de l'argent, ainsi de suite, ça te déséquilibre. Souvent, ça prend toi-même, directement. On dit non, tu as le diabète et l'hypertension artérielle. C'est fini. Tu vas à l'hôpital central de Maroua, on dit non, c'est compliqué. Ici, là, on ne peut pas. Il faut aller à Yaoundé. Yaoundé, on dit non. Si tu as les moyens, là, c'est mieux d'aller en France. Vous voyez bien aimé. Non seulement tes activités se sont arrêtées, non seulement tu souffres, mais le bien. Ah! Alléluia! Amen. Et le diable aussi, le voleur, il est capable de percer. Il perce. Dès qu'il perce le sac, hein, le mur sort. Non. Alléluia! La richesse sort. La richesse se verse. Tu ne récupères pas. C'est pour ça que notre cœur ne doit pas être sur les choses du monde. Et non seulement ça, notre cœur ne doit pas s'attacher au péché. Notre cœur ne doit pas s'attacher aux choses charnelles. Voilà pourquoi voilà, je veux élargir maintenant. Pour dire que ce n'est pas seulement les richesses et les matériels. Le premier amassé, quand on dit ne vous amassez pas les trésors, dans amasser, il y a cupidité, il y a convoitise, il y a égoïsme. On se comprend ça ici? Amasser. Amasser les trésors sur la terre. Il y a cupidité dedans. Il y a la cupidité. Il y a la convoitise. Il y a l'égoïsme. Alléluia. Un homme cupide, là, il n'a pas besoin des millions pour que tu saches qu'il est cupide. Est-ce que vous savez comment Dieu nous voit? Juste tu as 100 francs. Je prends juste un exemple. Tu as 100 francs. Ton frère qui est là est malade, a besoin de paracétamol de 25 francs. Ces 100 francs que tu avais, tu as programmé, n'est-ce pas? Peut-être acheter le lendemain du sel avec. Alléluia. Amen. C'est juste un exemple terre à terre que je prends. Demain, tu vas acheter le sel avec. Lui, il ne se sent pas bien, il cherche 25 pour s'acheter le paracétamol. Bon, tu n'as que 100 francs et là même c'est déjà destiné pour le sel. Hein? Tu vas encore faire quoi? Bon, mon frère, que le Seigneur te guérisse. Tu es cupide. Alléluia. Pour Dieu, tu es cupide. Oui, c'est ça, Rouchida. Tu es cupide à ce moment-là. Quand tu ne peux pas enlever et donner, ça veut dire quoi? En fait, c'est toi. Tu t'es vu toi, pas l'autre. L'autre là, il est loin de toi. Où est l'amour dedans? Il n'y a pas l'amour. Tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas l'amour dedans, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Mais maintenant, le second amassé. Parce qu'il y a aussi dans le verset 20. Alléluia. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Les deux là n'ont pas le même sens. Alléluia. Amasser, quand on amasse pour le ciel, ça veut dire que nous avons pour but de rallier, réconcilier les gens avec Christ. Alléluia. Amen. On veut réconcilier les gens avec Christ. C'est ce ministère que le Seigneur nous a donné. Tout à l'heure, on va encore repartir dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Vous me préparez ça déjà. On amasse des choses pour le ciel. Parce que là-bas, maladie, il n'y en a pas. Difficulté de la vie, il n'y en a pas. Alléluia. Oui. Il n'y a pas de voleur. Parce que Satan, il ne peut pas avoir accès au ciel. Depuis que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Satan ne peut plus arriver devant Dieu comme ça. Il dit, bon, Dieu, voilà. Le frère Jean, là, il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Il ne peut plus. Alléluia. Or, avant Jésus, il faisait ça. Il faisait ça. Il l'a fait avec Job. Alléluia. Avant la mort de Jésus sur la croix, il l'a fait. Il est allé devant Dieu. Dieu lui dit, comme Dieu était avec ses fils, ça veut dire ses anges, n'est-ce pas? Lui aussi, il est venu. Il dit, Dieu va dire, toi, tu viens d'où? Il dit que de me promener. Le Seigneur va dire, mais est-ce que tu as vu, est-ce que tu sais que quand tu es fidèle à Jésus, Jésus te vante même devant le démon, et que celui-ci-là. Alléluia. Amen. Oui, il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne là-bas sur la terre comme lui. Hein? Lui, il est fidèle. Lui, il est ceci.
Il est cela. C'est là où Satan va commencer. Il cherche. Dieu lui doit dire, bon, va. Alléluia. Amen. En fait, il est allé là. Il dit à Dieu que c'est parce que c'est toi qui le protège. Est-ce que lui, là, il n'a jamais de péché, comme tu dis? Non. Vous voyez, n'est-ce pas? L'accusation. C'est pour ça que avec le sacrificateur Josué, je ne parle pas de Josué qui a remplacé Moïse. Alléluia. Je parle du sacrificateur Josué. Il dit, Josué était encore devant Dieu comme ça, là, devant les anges. Satan est venu pour l'accuser, pour dire que son vêtement est sale. La robe, chaque fois on prêche, on dit, lavez vos robes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Josué n'était pas sanctifié. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Il dit que non, il a des robes sales, donc il m'appartient. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur va ordonner qu'on enlève sa robe sale, on lui met une nouvelle robe. Pour ne plus que Satan l'accuse. Donc, à partir de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, le troisième ciel est fermé pour Satan et ses démons. Ils ne peuvent plus avoir accès. C'est pour ça que toi aussi, alléluia, à cause du sang de Jésus qui te lave, Satan ne peut plus t'accuser n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu acclames, tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut que ton cœur soit sur les choses du ciel. Il dit, comme vous êtes ressuscité, c'est toi, connaissant toi. Hein? Vous êtes ressuscité avec Christ. Maintenant, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quelles choses d'en haut? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? On repart encore dans 2 Corinthiens 5. Nous lisons maintenant à partir du 18e verset. Ah! 2 Corinthiens chapitre 5, mm-hmm. partie du verset 18. Oui. 18, oui. Et tout cela vient de Dieu, oui. qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Oui. Et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Voilà, on s'arrête d'abord. Le Seigneur, Dieu nous a réconciliés par Jésus. Jésus qui est venu, il est mort à la croix, ça veut dire qu'il a payé le prix, n'est-ce pas? De notre péché. Il a payé le prix de notre malédiction. Mais maintenant, il nous a donc réconciliés avec lui. Et non seulement ça, il ne s'arrête pas là. Puisque toi, tu es venu à lui. Tu es né de nouveau, tu es son enfant maintenant, non? Il te donne maintenant quoi? Le ministère de la réconciliation. Est-ce que tu comprends? Le ministère de la réconciliation. Si Jésus est venu prêcher la parole, il te donne à toi maintenant, c'est toi qui fais comme lui. Alléluia. Amen. Oui. Il te donne l'évangélisation, c'est toi. Tu es devenu un chrétien, ne dis pas que l'évangélisation, c'est pour les autres de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est que tu n'as pas compris le principe du royaume. Si tu penses que l'évangélisation, ça concerne un type de personne. Si tu penses que même quand on dit qu'il y a évangélisation à tel lieu et que tu n'es pas allé, tu ne te reproches de rien. Ça c'est compliqué. Tu n'as rien compris. Il te confie maintenant le ministère de la réconciliation. Et non seulement ça, ta vie même doit évangéliser. Ta vie. Ta vie seulement. Ta façon de vivre, ça évangélise les gens. Ta façon de vivre seulement. N'est-ce pas, il dit, nous sommes la lumière du monde. Jésus dit qu'il est la lumière du monde, mais il dit maintenant que nous-mêmes, là, nous sommes lumière. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur... Voilà ce que le Seigneur fait, bien-aimé. Il nous donne le ministère de la réconciliation. Allons-y. Car Dieu était en Christ. Oui. Réconciliant le monde avec lui-même. Oui. En imputant point aux hommes leurs offenses. Oui. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Voilà donc. Le Seigneur, quand on dit car, ça veut dire qu'on est en train d'expliquer. D'accord? Voilà. Car Christ, Dieu est en Christ. Il réconcilie maintenant le monde avec lui. Nous qui étions du monde, il nous réconcilie maintenant avec lui.
comment il a ôté nos péchés. Donc, il ne nous a pas laissé avec nos péchés. Parce que dans nos péchés, nous ne pouvions pas venir devant lui. Nous ne pouvions rien faire. Il a ôté les péchés pour que nous soyons réconciliés maintenant avec lui. Et comme je l'ai dit, il a payé ce prix à la croix du calvaire. Alléluia. Oui. Nos péchés, même les péchés de ceux qui étaient morts avant, les péchés de ceux qui ne sont pas encore nés, mais qui vont venir dans le monde, il a ôté tout ça. Il a porté ça. Il est allé à la croix avec ça. Crucifié. En crucifiant sa chair, en fait, nos péchés aussi ont été crucifiés. Nos malédictions ont été crucifiées. Notre pauvreté a été crucifiée. C'est ce que le Seigneur avait. Alléluia. Il est monté avec ça. Pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et il met maintenant la parole de la réconciliation à nous. C'est ce que nous lisons. Alléluia. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation, c'est cette parole-là. La parole de Dieu par laquelle tu prêches, par laquelle tu dis aux gens de donner leur vie à Jésus. C'est cette parole-là. C'est pour ça que, bien aimé, il faut avoir la parole. On ne te demande pas de pêcher le verset biblique, mais on te demande d'avoir la parole. De telle sorte que quand tu parles, n'est-ce pas, tu parles à la lumière des Écritures. Alléluia. Dans tout ce que tu fais à la lumière des Écritures. Il faut avoir la parole. La puissance de la parole, ça libère. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la puissance de la parole quand tu ne te connectes pas aux Écritures. Quand tu ne médites pas la parole, tu ne peux pas avoir la puissance de la parole. C'est par cette puissance-là que les gens viennent à Jésus. Quand tu parles de la part de Jésus aux autres, ils écoutent. Cette parole qui sort, elle est puissante. C'est ce que le Seigneur veut. Ah, c'est cette parole-là qui réconcilie les gens avec lui, avec Dieu. C'est cette parole-là qui fait à ce que quelqu'un qui a vécu 10 ans dans la drogue, tu le trouves un autre jour avec sa Bible en main en train d'évangéliser. Amen. Alléluia. C'est cette parole-là qui libère. C'est la parole de réconciliation. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Est-ce que tu le savais? Tu es ambassadeur pour Christ. Donc tu ne vis pas pour toi. Un ambassadeur vit pour son pays. Un ambassadeur défend son pays. Ton pays, ce n'est pas sur la terre. Ton pays, c'est au ciel. Tu dois défendre le ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Tu fais les fonctions d'ambassadeur. Alléluia. Amen. Je suis un ambassadeur. Est-ce que tu peux le dire aussi? Je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur pour Christ. Je suis un ambassadeur pour Christ. Je suis un ambassadeur pour Christ. Alléluia. Oui, Amen. On continue. Nous faisons les fonctions. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Oui. Comme si Dieu exaltait par nous. Oui. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Comme tu es ambassadeur pour Christ, n'est-ce pas? Il dit comme si Dieu exaltait par nous. Donc quand tu ouvres la bouche pour parler de Dieu aux gens, en fait, c'est Dieu qui parle aux gens au travers de toi. Parce que tu n'oublies pas que Dieu est en toi. Parce que tu n'oublies pas le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Tu parles de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle au travers de toi. Quand tu te lances dans ce ministère, bien-aimé, oh non, c'est un ministère glorieux. C'est un ministère merveilleux. Le genre que tu portes, tu dis, quand tu parles de Jésus aux gens, tu reviens, tu es content plus que quelqu'un qui a eu 10 millions. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur se glorifie en toi. Parce que Dieu parle au travers de toi. C'est Dieu qui parle, mon frère. C'est Dieu qui parle au travers de toi. Alléluia. Amen. Tu fais le ministère d'ambassadeur pour Christ. Tu es exalté par toi. Alléluia. Amen. C'est si merveilleux. Oui. C'est lui qui n'a point connu oui. le péché. Oui.
Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, afin que nous devenions en lui juste de justice de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'avait point de péché. Jésus qui n'avait point de péché, je l'ai fait péché. À cause de qui? À cause de nous-mêmes. Il a porté, il a pris nos péchés là, n'est-ce pas? Il a mis sur lui, sur Jésus. Maintenant, Jésus, c'est, quand on voit Jésus, il est comment? Il est maintenant péché. Oui, puisque nos péchés là, il a porté, il a mis sur lui. Donc, Jésus est maintenant péché. C'est pour ça qu'il fallait qu'il monte à la croix pour que le péché soit crucifié. Alléluia. Amen. Il faut que ce péché-là soit crucifié. Maintenant, quand le péché est crucifié, nous sommes comment? Nous devenons maintenant justice de Dieu. Nous devenons justes. Nous devenons justes parce que notre péché a été enlevé. Alléluia. Amen. Notre péché a été enlevé. C'est pour ça que nous ne devons pas jouer, bien-aimés. Tu ne dois plus rouler dans le péché. Oui, tu dois vivre ainsi, ambassadeur pour Christ. Donc, le jour où le Saint-Esprit va te mettre à cœur de parler de Jésus à quelqu'un et que tu ne le fais pas, pleure devant le Seigneur et demande pardon. Parce que c'est un péché. Alléluia. Amen. Le jour où tu connais que tel jour, c'est l'évangélisation. Et qu'il n'y a pas quelque chose de si sérieux qui t'a occupé. Tu n'es pas allé là. Demande-toi. Demande pardon, Seigneur, parce que tu as péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur va t'envoyer, même dans ta famille. Le Seigneur va t'envoyer partout pour aller parler de lui. Mais ce qu'il veut, c'est que tu sois obéissant. Que tu comprennes ces choses-là. Tu es ambassadeur. Alléluia. Amen. Tu défends le ciel. Tu ne défends pas la terre. Tu défends le Saint-Esprit, tu ne défends pas ta chair. Oublie que ta chair veut ceci, veut cela, sans la chair, ce n'est pas ce qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Il faut oublier ce que ta chair te demande là, tu oublies. Au moment où le Saint-Esprit dit il faut prier, toi tu dis non, mais j'ai sommeil. Hier même, je n'ai pas dormi. Voilà, vendredi, on a fait nuit de prière jusqu'au matin. Hier, toute la journée, j'étais occupé. La nuit, même là, j'ai dormi à partir de 23 heures. Non. Cet esprit, toi, tu exagères. Je ne peux pas. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Alléluia. S'il te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a mis les moyens en jeu pour que tu puisses le faire. C'est parce qu'il déjà, il t'a déjà rendu capable pour que tu le fasses. Alléluia. Oui. Le Seigneur te demande de faire, d'être maintenant un homme spirituel. Ce n'est plus un homme charnel. Donc, il ne faut plus aller selon ce que ta chair veut. Les œuvres de la chair doivent être mortes. Il dit, faites mourir donc les œuvres, n'est-ce pas? Les membres, vos membres qui sont dans le monde. C'est-à-dire l'impudicité, l'impurité, n'est-ce pas? Même la cupidité, il a qui est une idolâtrie. Des choses qui ne concernent qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois les faire mourir. Quand nous parlons de la chair, la fois passée, nous avons lu ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Alléluia. Dans Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair. Il ne faut pas que ces choses-là puissent encore se voir, qu'on le voit encore en toi. Non! Le Seigneur ne se glorifie pas dans ces choses. Plutôt, les gens doivent faire. Donc les gens doivent voir le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons le lire? Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. C'est ce fruit-là qu'on doit voir. Galates 5, verset 22. Oui. Dieu, la parole de Dieu est vraie. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Le premier élément, s'il vous plaît, moi je parle d'éléments parce qu'on n'a pas dit les fruits. On a dit le fruit. S'il y a fruit de l'esprit, ces choses apparaissent.
Alléluia. On a dit le, c'est un. Le fruit de l'esprit. Si l'esprit de Dieu est en toi, tu dois manifester ces choses. C'est ce que ça veut dire. Amen. Quand tu ne manifestes pas ces choses, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. Quand nous parlons de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, c'est le plus grand amour que Dieu a manifesté pour nous. Alléluia. Amen. C'est l'amour. Donc toi aussi, tu dois aimer. Toute la loi est résumée dans l'amour. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, n'est-ce pas? De toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez donc que tu as 100 francs, ton prochain veut 25, tu lui refuses ça. Est-ce que tu l'as aimé comme toi? Si c'était toi, tu allais aimer qu'on te donne. Alléluia. Oui, si c'était toi, tu vas me parler, me rappeler que vraiment les gens sont méchants ici. Hein, 25 semaines, il ne me donne pas. Pourtant, toi, tu le fais comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit que si tu veux voir une personne, si la personne est bonne ou pas, donne-lui d'abord de l'argent. Tu vas voir. Aujourd'hui, il est gérer les 5 000, 10 000. Mais un jour, donne-lui 1 million. S'il ne te tourne pas le dos, c'est que tu vas dire que la personne est vraiment, voilà, il est bonne. Elle est bonne, cette personne. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que l'argent change le cœur des gens. Dès qu'il y a l'argent, là, tu vas voir la vraie face de la personne. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu vas voir l'homme. Tu l'appelles, tu dis, mais toi, tu m'appelles tout le temps, tu me déranges là. Alléluia. Tu me déranges là. Souvent, quand il voit l'homme ton appel comme ça, tu vois là, il va encore demander l'argent. C'est sûr qu'il va demander. Il ne décroche même pas. Pour voir le cœur d'une personne, pour lui donner l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que c'est pas, ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il y a aussi la joie. C'est pour ça que nous devons manifester la joie partout. Ne soyez pas triste. Même si je n'ai pas eu à manger ce matin, je ne trouve pas, c'est pas une raison pour que je sois triste. Jésus est en moi ou il n'est pas en moi? Je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que je sois dans la joie? Est-ce que je suis encore un citoyen de cette terre? Je suis citoyen de la cité céleste. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. C'est la raison pour laquelle il doit être dans la joie tout le temps. Il faut manifester la joie en tout temps. Il faut manifester la joie. La paix. La paix. Tu es tranquille. Dans n'importe quelle chose là, tu es tranquille. Tu es en paix. C'est ce que le Saint-Esprit développe en toi. La paix. La patience. Tu ne dois pas te précipiter dans les choses. Tu cours par ci, tu cours par là. Pour aller où? Il ne faut pas te précipiter. Bien-aimé, tu dois être patient. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est impatient. Tu as prié aujourd'hui, demain. Tu dis, vraiment, Dieu là, depuis que j'ai prié, il ne me répond pas. Il y a ceci là. Tu gardes le sujet de prière là, tu prends l'autre. Non, tu n'es pas patient. Regarde comment le Seigneur a patienté pour toi. Tu as grandi depuis le bas âge. Tu ne le connaissais pas, non? As-tu suivi les autres aussi, non? N'est-ce pas, tu étais aussi dans le monde? N'est-ce pas quand les gens partent, quand les gens mal parlent des autres, toi aussi tu es là. Quand les gens mangent, toi aussi tu es là. Tu fais aussi. Dieu était où à ce moment? S'il était impatient, il allait te tuer là. N'est-ce pas? Il fait tomber ça parce que tu mérites. C'est pas ça. C'est la mort que tu mérites. Non? Mais il a patienté jusqu'à ce que tu le rencontres. Alléluia. Il t'a amené. Jusqu'à ce que tu le rencontres. Et tu es maintenant dans la scène de doctrine. Alléluia. Amen. Donc, toi aussi, tu dois manifester la patience. Même dans les choses que tu fais. Dans n'importe quoi, la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas ouvrir la bouche pour injurier les gens. Quand tu n'es pas patient, tu ne pourras pas supporter les persécutions. Ou tu dois passer par les persécutions. Tu dois passer par le désert.
C'est pas ça. Pour arriver à Canaan, on passe par le désert. Toi, tu veux faire l'exception. Tu veux prendre l'avion. Et ils ont marché à pied. Toi, tu veux prendre l'avion. Vous, tu es là-bas, et puis tu te viens et touches par le désert. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu prends l'avion, tu vas atterrir en enfer. Prends l'avion, c'est avoir fait la facilité. Non? C'est pas ça. Voilà. Si tu prends l'avion, tu atterris en enfer. C'est ça le problème. C'est pour ça que, bien aimé, nous devons absolument avoir la patience. C'est un élément du fruit de l'esprit. Tu dois aussi manifester la bonté. Il faut être bon de cœur envers les autres. Bon! Alléluia! Tu es un chrétien, tu ne dis pas bonjour à tes voisins. C'est quoi? Tu es un chrétien, on te dit qu'un enfant est malade ici, tu ne parles pas voir, tu ne visites pas. Chrétien, comment ça là? Quand on te dit ça là, ça doit t'amener, tu demandes, est-ce qu'on peut prier pour lui? C'est pas ça? Amen. Oui! Est-ce qu'on peut prier pour l'enfant là? Oui, tu pries. De toutes les façons, toi, tu as un instrument que Dieu utilise. Si Dieu t'utilise, l'enfant est guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est sur terre, on entend seulement que Jésus est revenu à la maison des gens vieux. Chacun vient. Il y en a qui viennent pour écouter. Il y en a qui viennent avec leur maladie, leur problème. Et il ne préférait pas le sommeil. Même quand son corps ressent la fatigue, lui, il ne préférait pas le sommeil. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il résout d'abord le problème des gens. Il ne cherche même pas à savoir si c'est ici, c'est mon frère de sang ou pas. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Toi qui es né de nouveau, tu dois vivre pour sa gloire. Alléluia. Amen. Tu dois glorifier sa vie. Tu dois glorifier Jésus dans ta vie. Dans tout ce que tu fais là. N'est-ce pas? Il faut que le Seigneur puise sa gloire. Il faut que le Seigneur puise sa gloire. Mais quand toi, tu te mets avec les autres, les gens, les moqueurs, par exemple. Tu te mets avec les moqueurs. Les gens de mauvaise vie, tu marches avec eux et tu fais ce qu'ils font aussi. Où est la gloire de Dieu là-bas? Est-ce que Jésus l'a fait? Non. Est-ce que ceux qui ont œuvré pour Jésus dans le temps, les disciples, ils ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi toi tu fais donc? Non. Quand tu es maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand tu es avec les moqueurs, quand tu es avec des personnes de mauvaise vie, cherche plutôt à les diriger vers Jésus. Alléluia. Oui, cherche plutôt à détourner le regard des fausses choses qu'ils font là pour que le regard soit sur Jésus. C'est ce que tu dois apporter. Oui, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Gloire à Jésus. Voilà, tu dois aussi manifester la bénignité, la bienveillance. Tu dois être bienveillant envers les gens. Quelqu'un vient chez toi comme ça, tu ne l'accueilles même pas. Hein? Tu ne l'accueilles pas, tu n'es pas bienveillant. Il faut quand la personne vient, même si tu n'as rien à la maison, il y a l'eau quand même. Voilà. Viens t'asseoir de ce côté. Et puis, tu prends l'eau, tu lui donnes. Il est maintenant à l'aise, il n'a plus l'eau. Il dit maintenant ce qu'il a amené. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit qu'en faisant comme ça, en étant hospitalier comme ça, là, il y a des gens qui ont accueilli les anges sans le savoir. Alléluia. Souvent, l'ange de Dieu, là, c'est celui que tu connais même. Mais l'ange l'a incarné pour venir te dire des bonnes choses. L'ange l'a incarné. Il est venu chez toi. Maintenant, quand tu l'accueilles, n'est-ce pas? Toute parole qu'il va prononcer sur ta maison va se réaliser. C'est ce que nous ne comprenons pas. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit accueillir. On doit aller aussi rendre visite aux gens. C'est être bienveillant. On doit visiter les autres. On doit aller chez eux. On doit parler avec eux. Mais de toutes les façons, dans tout ce que nous faisons, nous devons tirer la gloire pour Dieu. On tire la gloire pour Dieu.
Il ne faut pas que dans les causeries, la personne va balancer du pluie. Est-ce que tu as même entendu? Tu n'as pas entendu ça? Hey! La sœur Dorcas là, il est comme ça. Et puis toi aussi, sans même le savoir, tu dis, oh, oui, oui, c'est comme ça. C'est ça. Alors que tu ne sais rien, tu veux que tu valides ce mot. Tu dis, oui, c'est comme ça que l'est. Oui! Où est la gloire de Dieu? Calomnie. Aïe! Congo, ça! Alléluia! Il faut faire attention, bien sûr. Ce que le Seigneur veut, pendant que tu es avec ton frère, s'il est dans la foi, n'est-ce pas? Que vos sujets tournent autour de ce qui vous édifie, autour de la parole. Alléluia! Amen. Oui, quand vous parlez, il faut se témoigner les choses. Il faut dire, hein? Vraiment, j'étais dans telle situation, le Seigneur fait comme ça, je rends grâce à Dieu. Le Seigneur est glorifié. Chantez, priez et changez de témoignage. Édifiez-vous, exhortez-vous sur la parole. Bien-aimé, voilà vraiment, je suis dans telle situation et tout et tout. Voilà. Puis toi, tu prends donc à partir du verset biblique et tout, tu exhortes ton frère, tu l'encourages. C'est ce que le Seigneur veut pour les enfants de Dieu. Tu es né pour faire la gloire de Dieu, pas pour faire la gloire de Satan. Satan ne doit plus t'utiliser. Satan, tu n'es pas un instrument de Satan. Alléluia. Amen. Tu es dans ce monde-là. Tu es là, tu es pèlerin. Tu viens pour quelques pour un séjour. Et puis tu vas partir, tu vas rentrer. Parce que tu viens de Dieu. Alléluia. Amen. Tu appartiens à la cité céleste. Tu appartiens à la cité céleste. Tu n'appartiens plus à ce monde. Tu es citoyen de là-bas. Donc tu dois te comporter comme là-bas. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Il nous faut aussi la fidélité. Il faut être fidèle. Fidèle à Dieu, à Jésus. Fidèle dans les choses de Dieu aussi. Fidèle dans la prière. Fidèle dans la méditation de la parole. Fidèle dans l'évangélisation. Fidèle dans les visites. Fidèle. Il ne faut pas que tu aies visité aujourd'hui. Tu as visité ton frère aujourd'hui. Tu attends un an pour le visiter encore. Non, tu n'es pas fidèle. Alléluia. Tu n'es pas fidèle. Il faut être fidèle. Dieu, lui, il est fidèle. Il dit que même si nous, là, nous devenons infidèles, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Donc, nous devons le savoir, bien-aimé. Aussi, toutes choses que nous faisons, il ne faut pas qu'on entende notre voix à partir d'aujourd'hui, là. Hein? La clameur, on élève la voix. Donc, on est tellement fatigué, on est tellement fâché, je veux dire, et puis on élève la voix. Non. La douceur. Alléluia. La douceur. La douceur. La douceur. Il faut être doux. Il faut aussi être tempérant. Donc, tu te maîtrises toi-même. Alléluia. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Tu te maîtrises. Alléluia. Quand tu sais que ce qui va sortir de ta bouche n'est pas bon, ferme ta bouche. Le silence, c'est une force dans certaines situations. Amen. Dans certaines situations, le silence, c'est une force. Donc, tu demeures silencieux. Pendant que l'autre, Satan va envoyer ces gens-là, hein? Satan, si tu n'as pas encore expérimenté, Satan va envoyer des personnes pour te balancer dans la colère. Quelqu'un vient te crier dessus. Pendant que tu es assis comme ça, il vient te crier dessus. Quand tu vas te lever alors. Tu dis, c'est quoi? Je suis un homme ou je ne suis pas un homme? Tu donnes un, tu donnes l'autre encore. Non. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Alléluia. Tu te maîtrises. Ça, ce sont les éléments, les neuf éléments de l'esprit. Et si le Seigneur nous demande de pratiquer les œuvres, ce soir-là. Alléluia. C'est basé sur ça, là. Si tu ne peux pas développer ces choses, tu ne peux pas manifester. C'est-à-dire, tu ne peux pas œuvrer avec le Seigneur. Parce que lui, c'est ce qu'il est. Alléluia. Oui.
Ces choses-là sont en lui. Quand on dit le fruit de l'esprit, en fait, c'est une partie de Dieu en toi, n'est-ce pas? Qui te pousse aussi à te comporter comme Dieu. Alléluia! C'est ça. Or, ici, là, le service que tu peux rendre à Dieu, tu ne peux pas servir Dieu comme ça, c'est, mais tu dois œuvrer avec lui. Alléluia! Commence avec lui. On œuvre avec lui. Quand tu sers le Seigneur dans la chair, hein, c'est-à-dire que tu es en train de faire les choses pour Dieu, et ces choses-là seront brûlées. Ce sont des choses qui n'entrent pas au ciel. Ces choses seront brûlées. Mais quand tu œuvres avec le Seigneur, ça veut dire que tu es un homme spirituel. Alléluia. Ça veut dire que tu fais exactement ce que le Seigneur veut que tu fasses. Ça veut dire que tu agis en temps réel. Au moment où le Seigneur te dit, fais telle chose, tu obéis. Et au fur et à mesure, le Seigneur va te... Mon frère, quand tu es un homme spirituel, hein, le Seigneur ne peut pas faire quelque chose sur cette terre sans te dire. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il y a des choses à faire sur cette terre, il va te dire, voilà ce qui va arriver. Tu le connais en avance. Alléluia. Amen. Oui. Il dit, vous allez voir désormais les anges monter et descendre. Donc le ciel sera ouvert devant toi. Le ciel sera ouvert devant toi. Les décisions qui se prennent au ciel par rapport à la terre, il te le dit d'abord. Alléluia. Amen. Tes yeux vont s'ouvrir pour voir des choses extraordinaires. C'est ton obéissance, ton obéissance. C'est ton obéissance qui va t'amener à cela. Tes yeux vont s'ouvrir pour voir des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, change ta façon de faire. Change ta façon de voir les choses. Tu es né de nouveau. Pas comme si c'était un diplôme ou bien comme si c'était une formalité. Mais tu es né de nouveau pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois glorifier Jésus en toutes choses. Tu dois glorifier ton Seigneur en toutes choses. Tu dois manifester donc le fruit de l'Esprit. Jean-Baptiste dirait, produisez donc de fruits dignes de la repentance. Oui, vous vous êtes repenti, non? Vous avez laissé les choses. Maintenant, développez le fruit dit de la repentance. Et c'est le même fruit ici. Alléluia. C'est le fruit de l'Esprit, en fait. Nous devons le développer. Nous devons nous intéresser aux choses de Dieu. Chaque fois, demandons-nous qu'est-ce qui nous manque encore pour faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui nous manque encore pour que nous soyons de plus en plus fidèle à Dieu. Alléluia. Oui, nous devons nous demander et nous devons rechercher ces choses. Recherchons-les. Ça glorifie le Seigneur. Recherchons-les et le Seigneur ne tarde même pas. Quand il sait que ton cœur est dans ces choses, il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Si tu pries pour une chose et tu vois que le Seigneur tarde trop et tout ça, là, c'est parce que tu es partagé. Alléluia. Tu es partagé. Tu n'es pas fidèle. Quand tu es fidèle, ta prière même, quand tu pries, ça vient seulement. Ça coule seulement. Ton obéissance. Le Seigneur a besoin de ton obéissance. Le Seigneur a besoin de ton humilité. Le Seigneur a besoin de ta fidélité dans les choses qui le concernent. Alléluia. Voilà donc, bien-aimé, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager en ce jour. Alléluia. Donc, tu es dans une nouvelle maison, comporte-toi comme on se comporte dans cette maison-là. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà éloigné les choses qui concernent le monde, il t'a déjà éloigné. Il t'a placé, tu es son ambassadeur. Sache aussi que cet ambassadeur-là, un jour, il peut être rappelé dans son pays, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Toi aussi, si... Le Seigneur, si la trompette sonne et que tu n'es pas encore mort même, tu seras directement enlevé. Alléluia. Et si tu es mort même en Christ, le Seigneur va faire à ce que tu reçus, tu sonnes et puis tu es enlevé pour dans les airs. C'est ce que le Seigneur veut. Tu es ambassadeur jusqu'à ce moment-là. Tu es ambassadeur jusqu'à l'enlèvement. Tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur jusqu'à son retour. Alléluia. Il faut persévérer. Il faut aller de l'avant.
Ne te regarde pas aux difficultés que tu as. Ne regarde pas la difficulté, la persécution. Ne regarde pas toutes ces choses. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il renouvelle tes forces. Alléluia. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux pousser les acclamations, Seigneur Jésus? Les acclamations à Jésus de Nazareth. Les acclamations à Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas dire merci. Tu vas dire merci à Jésus pour cette parole. Cette parole de vie. Cette parole qui donne de la connaissance. Cette parole qui nous donne encore de la vigueur. Dis merci à Jésus. Ouvre ta voix et je dis merci. Oui, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends gloire. Merci, papa, pour ta prière. Merci, ô éternel Dieu de grâce, pour cette parole de vie. Merci, papa. Dis merci, sois reconnaissant. Le Seigneur te rappelle encore que tu es dans sa maison. Et que dans sa maison, il y a des principes. Bénis le Seigneur parce qu'il te l'a rappelé. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Je te rends gloire, papa, pour tout ce que tu as fait. Merci, merci, merci. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. Sois reconnaissant. Dis merci, c'est être reconnaissant. Dis merci à Jésus. Les conseils qu'il t'a donnés, les instructions qu'il t'a données, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Alléluia, dis-lui merci. Merci, papa. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Je te rends gloire, je te rends l'honneur et la magnificence. Merci, papa. Bien-aimé, tu vas cette fois-ci, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur Jésus de renouveler encore ta force. Tu étais là comme si tu étais fatigué. Alléluia. Comme si tu étais fatigué de marcher. Comme si les choses n'allaient pas bien dans ta vie. Demande au Seigneur de renouveler tes forces. Alléluia. Tu as besoin de la force qui vient du Seigneur Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Demande que le Seigneur renouvelle tes forces. Il a dit, ceux qui sont confiés en l'Éternel, renouvelle leurs forces. Demande maintenant que le Seigneur renouvelle tes forces. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Prie maintenant que le Seigneur te donne de développer le fruit de l'esprit. On a cité le fruit de l'esprit. Quel est ton problème? Demande au Seigneur que le Seigneur manifeste le fruit de l'esprit en toi. Que l'esprit de Dieu manifeste pleinement son fruit. Prie au nom de Jésus. Oh, renouvelle. L'amour, l'amour, l'amour. Tu dois aimer. Tu dois aimer les autres. Tu dois aimer Jésus plus que tout. Tu dois aimer les autres comme toi-même. Prie que le Seigneur renouvelle cela. Que le Seigneur renouvelle cela. Que le Seigneur change même tes habitudes dans l'amour que tu as envers ton prochain. Que le Seigneur renouvelle tes habitudes. Que le Seigneur revoie tes habitudes. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur de renouveler ta façon d'aimer les autres. De renouveler ta façon de l'aimer lui-même. Prie, 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 prie. Tu avais de la haine pour ton frère. Tu m'emparais tout le temps de ton frère. C'est le manque d'amour. Tu ne pouvais pas manifester de la générosité envers ton frère. C'est le manque d'amour. Tu calomnies ton frère tout le temps. C'est le manque d'amour. Prie, 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 demande au Seigneur Jésus de faire manifester maintenant l'amour en toi. Oui, qu'elle manifeste cela. Que le Seigneur manifeste la joie.
Que le Seigneur manifeste la joie. Que la joie abonde dans ton cœur. Que la joie abonde dans ton cœur. Que la joie abonde dans ton cœur. C'est un élément du fruit de l'esprit. Oui. Que la joie soit abondante. Que la joie déborde dans ton cœur. Prie, demande-le au Seigneur. Prie et demande-le au Seigneur Jésus. C'est une caractéristique des enfants de Dieu. C'est une caractéristique des enfants qui appartiennent à Jésus-Christ. Tu es venu dans sa maison. Dans le ciel, c'est la joie. Sur la terre aussi, si tu es son enfant, alors tu dois manifester ta joie. Tu es aussi son ange sur cette terre. Tu es aussi son serviteur sur cette terre, sa servante. Tu dois manifester la joie. Non, la tristesse, ça vient de l'ennemi. La tristesse, ça vient de l'ennemi. Manifeste la joie. La joie combat l'ennemi. La joie que tu manifestes, dis à l'ennemi qu'il a échoué. Oui, manifeste la joie. Tu manifestes la joie. Et tu manifestes la joie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie au Seigneur. Il te donne la paix du cœur. Tu dois avoir la paix, bien-aimé. Tu dois vivre la paix. Même si tu souffres, tu dois avoir la paix. Même si tu es dans la souffrance, dans la persécution, ton cœur doit être dans la paix. Ton cœur doit être dans la paix. Prie. Et demande que le Seigneur te donne la paix. La paix doit abonder dans ton cœur. 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 Toi qui es aussi à la maison qui nous suit de loin. Oui, tu dois prier pour que la paix abonde dans ton cœur. La paix. Les enfants de Dieu doivent être dans la paix. Que la paix abonde dans ton cœur. Que la paix de Jésus-Christ abonde dans ton cœur. Cette paix qui était en Jésus, même quand il était sur la croix, même quand on mettait le clou entre ses mains, il manifestait cette paix-là, cette paix intérieure. Sinon, il allait renoncer. S'il n'était pas, si son cœur n'était pas en paix, il allait renoncer. Parce qu'il savait, il avait de l'assurance. Et il savait ce qu'il faisait. Tu dois manifester cette paix. Alléluia. Bien-aimé. Toi qui es impatient dans certaines situations, prie maintenant que le Seigneur Jésus développe la patience dans ton cœur. Prie que le Seigneur Jésus développe la patience dans ton cœur. Même quand ton frère va faire du mal, non, tu ne seras pas impatient pour manifester les choses plutôt qu'à partir du diable. Mais tu dois manifester la patience. Tu dois être patient. Tu dois être patient. Celui qui est patient est lent à la colère. Celui qui est patient est plein de bonté. Comme le Seigneur Jésus lui-même est lent à la colère. Mais il est plein de bonté. Le Seigneur Jésus est plein de bonté. C'est ce que tu dois être aussi. Oui. Tu manifestes la patience. Tu manifestes la bonté. Tu manifestes la patience. Tu manifestes la bonté. Tu ne dois pas être. Tu dois être lent à la colère. Oui. Tu dois être lent à la colère. Tu dois être lent à la colère. Oui, que le Seigneur enlève toute colère de toi. La colère, c'est un esprit, bien-aimé. La colère, c'est un esprit. Pendant que tu vas manifester la patience envers ton frère, cet esprit va partir et ça sera de l'auto-délivrance. Tu seras délivré toi-même de la colère. Pendant que tu vas manifester la patience, tu vas voir. Cet esprit va quitter. Il quitte seul. L'esprit de colère quitte seul quand on manifeste la patience. L'esprit de colère quitte quand on manifeste la patience. Manifeste la patience. Manifeste la patience. Manifeste la patience. Bien-aimé, tu dois aussi être bienveillant envers les autres. Alléluia. Tu ne dois pas être dur envers les autres. Tu dois être bienveillant. Tu dois être accueillant. Tu dois être hospitalier. C'est ce que le Seigneur est. Le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Le Seigneur Jésus souhaite toujours la bienvenue à ceux qui viennent à lui.
C'est pourquoi toi aussi, tu dois souhaiter la bienvenue à ceux qui entrent dans ta maison. Tu dois être bienveillant. Tu dois rendre visite parce que le Seigneur Jésus va te demander ces choses. Le Saint-Esprit est en toi. Demande les bananes que tu demandes. Le Saint-Esprit le fait à toi. Le Saint-Esprit le fait à toi. Le Saint-Esprit le fait. Le Saint-Esprit le développe à toi. Le Saint-Esprit le développe à toi. Oui, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la même personne qu'hier. Tu n'es pas la même personne qu'avant-hier. Tu es une nouvelle personne qui marche en nouveauté de vie. Qui marche en nouveauté de vie. Qui marche en nouveauté de vie. Oui, tu développes maintenant. La bienveillance, la bénédiction, tu développes cela au nom de Jésus. Bien-aimé, dans ton cœur, tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu mets la main sur ton cœur et demande au Seigneur qu'il te donne de la douceur. Alléluia. Demande que le Seigneur te rende doux. Que le Seigneur te rende doux. Mets la main sur ton cœur. C'est un acte de foi. Mets ta main sur ton cœur et demande au Seigneur de te rendre doux, de te rendre douce. Tu mets ta main sur ton cœur. Demande au Seigneur maintenant de te rendre doux. Prie, bien-aimé. Prie maintenant pour la douceur. Que le Seigneur développe cette douceur en toi. Que le Seigneur développe cette douceur en toi. Que le Seigneur développe cette douceur en toi. Tu ne oses pas la voix, quel que soit ce qui arrive. Tu n'oses pas la, tu ne oses pas la voix, quel que soit ce qui arrive. La clameur n'est plus de toi. La clameur sort maintenant. La clameur sort maintenant. La clameur sort maintenant. La clameur sort. La clameur sort. Et le Saint-Esprit installe la douceur. 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 La douceur. La douceur. Seigneur, tu installes la douceur dans ce cœur. Seigneur, tu installes la douceur dans ce cœur. Tu installes la douceur dans ce cœur. Tu installes la douceur dans ce cœur. 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 Bien-aimé, tu gardes toujours ton corps, ta main sur ton cœur. Tu gardes ta main sur ton cœur. Et maintenant, tu pries que le Seigneur installe la tempérance. La maîtrise de soi. Qui va t'aider dans la persécution. La maîtrise de soi qui va t'aider dans la persécution. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire, tu ne vas pas manifester la colère. Tu ne vas pas te lever contre ces personnes-là. Ouais, prie maintenant. Prie que le Seigneur manifeste. Manifeste la maîtrise de soi. Tu dois être maître de toi-même. Tu dois être maître de toi-même. Oui, tu ne te précipites pas pour les choses. C'est pas parce qu'on t'a raconté des choses sur quelqu'un que tu vas te précipiter pour dire des choses. Non! C'est pas ça la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus installe maintenant la maîtrise de soi en toi. 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 La maîtrise de soi. Il le développe maintenant. Il le développe maintenant. Il le développe maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu reçois le fruit du Saint-Esprit. Tu reçois le fruit du Saint-Esprit. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Il aborde à toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas sceller ces prières dans le sang de Jésus. Tu pries que ces prières soient scellées dans le sang de Jésus. Tu pries que ces prières soient scellées dans le sang de Jésus. Tu pries que ces prières soient scellées dans le sang de Jésus. Tu pries en même temps que tu es une nouvelle créature. Tu déclares maintenant que tu es une nouvelle créature. Et c'est selon la volonté de Dieu que tu vas marcher. Selon la volonté de Dieu que tu vas marcher. Tu es maintenant un citoyen du ciel. Tu es ambassadeur de Jésus. Et tu souviens de le fonction d'ambassadeur sur cette terre. Tu es venu pour faire des choses que le monde ne connaît pas. Tu es pour faire des choses que le ciel connaît, que le monde ne connaît pas. Tu es venu faire des choses extraordinaires que le monde n'a jamais connues. Tu les déclares sur ta vie. Tu les déclares sur ta vie. Tu les déclares sur ta vie. Tu les déclares sur ta vie maintenant. Tu les déclares maintenant.
Dieu est né de nouveau, pas pour glorifier encore Satan, mais pour glorifier Jésus de Nazareth. Pour glorifier Jésus de Nazareth, pas pour glorifier ta chair, mais pour glorifier Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui se glorifie à toi. C'est Jésus qui se glorifie à toi. Oui, tu déclares que même dans les moindres détails, c'est Jésus qui se glorifie à toi. Dans les moindres choses, c'est Jésus qui se glorifie à toi. Dans les moindres choses, c'est Jésus qui se glorifie à toi. Prie au nom de Jésus. Oui, déclare des choses sur ta vie. Déclare des choses sur ta vie. Tu le fais avec foi, tu vas voir ta vie va changer à partir de ce jour. Tu le fais avec foi, tu vas voir de nouvelles choses dans ta vie. Oui, le Seigneur veut que nous expérimentions des grandes choses avec lui. Il veut que nous expérimentions des choses nouvelles. Prie, et devant cela, déclare maintenant des nouvelles expériences dans ta vie. Des nouvelles expériences dans ta vie. Des expériences avec le Seigneur Jésus. Oui, des exploits avec le Seigneur Jésus. La vie avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Oui, maintenant tu déclares qu'avec le Seigneur Jésus, tu vas faire des exploits. Tu vas expérimenter des nouvelles choses. Tu vas expérimenter des nouvelles choses. Le ciel va s'ouvrir devant toi. Et tu verras clair maintenant les anges de Dieu monter et descendre. Si tu es docile, bien-aimé, tu vas le voir. Tu vas le voir. Des nouvelles expériences. Des nouvelles expériences avec le Seigneur. Des nouvelles espérances avec le Seigneur. Des nouvelles espérances avec le Seigneur. Tu as là, tu iras de l'enfant. Le ciel s'ouvre devant toi. Le ciel s'ouvre devant toi. Le ciel ne sera plus fermé. Désormais, devant toi. Tu vas entendre audiblement la voix du Seigneur. Tu entendras audiblement la voix du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit va se manifester en toi. Parce qu'il va se reconnaître par le fruit que tu développes. Par le fruit que tu développes. Tu vas voir de nouvelles choses. Tes oreilles vont s'ouvrir pour entendre la voix du Seigneur de façon audible. Oui, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Tu verras de tes propres yeux. Tu verras, tu auras des visions. Tu auras des visions, tu auras des songes, tu auras des songes, tu vas expérimenter ce qui est écrit dans Joël 2, 28. C'est ce que tu vas expérimenter, bien-aimé. C'est ce que tu vas expérimenter parce que tu es venu à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as écouté sa voix et tu as été, tu t'es monté docile. Oui, tu as exposé ton cœur pour recevoir ces choses. Tu auras des visions, tu auras des songes. Tes yeux vont s'ouvrir pour voir les choses de façon claire. Le Saint-Esprit va même te montrer ce qui va se faire dans ce monde, ce qui va se passer dans ce monde. Tu vas expérimenter ces choses. Tu vas expérimenter ces choses. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois ces choses maintenant. Tu reçois ces choses maintenant. Tu reçois de nouvelles expériences. 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 Tu reçois de nouvelles choses. 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 Tu reçois maintenant. Le Seigneur te quitte maintenant. Le Seigneur te quitte maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois ces choses. Tu reçois ces choses. Ça coule du trône de Dieu. Ça coule du trône de Dieu. Et tu les reçois maintenant. 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 Alléluia. Tu verras des choses nouvelles. Tu verras des choses nouvelles. Désormais, le Saint-Esprit va te parler. Désormais, tu ne dormes pas, mais tu verras des choses qui se passent même au loin. Tu verras même la complicité des enfants, le complet du monde des ténèbres. Le Saint-Esprit de Dieu va te le montrer. Le Saint-Esprit de Dieu va te le montrer. Tu verras cela. Tu verras cela. Tu verras cela. Le Seigneur ouvre tes yeux pour les voir. Le Seigneur ouvre tes yeux pour les voir. Le Seigneur ouvre tes yeux pour le voir. Le Seigneur ouvre tes yeux pour le voir. Alléluia. 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 C'est au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Seigneur, je te bénis pour la vie de mon bien-aimé et de ma bien-aimée. Je te bénis, ô éternel Dieu, parce que ce jour encore, tu nous emmènes, Seigneur Dieu, à une dimension. Seigneur, la dimension, Seigneur, d'expérimenter la nouvelle naissance en Jésus. La dimension d'expérimenter des nouvelles choses en Jésus.
la dimension d'expérimenter véritablement que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu nous amènes à cette dimension en ce jour. Oh Éternel Dieu, je prie maintenant, oh Éternel Dieu, que tu te glorifies dans la vie de chacun de nous. Seigneur, que chacun maintenant, Seigneur Jésus, comme tu l'as déjà fait, Seigneur, expérimente des mauvaises choses avec toi. Oh Éternel, que les yeux s'ouvrent, Seigneur Jésus. Les écailles tombent maintenant, Seigneur Jésus. Que ce qui avait bouché les oreilles, Seigneur, sorte maintenant. Et que les oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Amen. Désormais, le ciel s'ouvre devant nous, Seigneur, pour des expériences nouvelles, pour des choses nouvelles. Oh Éternel Dieu de grâce. Merci Seigneur pour ton peuple, ô Éternel Dieu. Merci pour ton peuple, Seigneur Jésus. Merci pour ton peuple, Seigneur, que tu équipes en ce jour. Merci pour ton peuple à qui tu donnes des nouvelles choses en ce jour. Seigneur Jésus, tu as apporté, Seigneur, des choses nouvelles. Tu as apporté, Seigneur, des équipements nouveaux. Oh Saint-Esprit Dieu, merci parce que tu as revêtu chacun. 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 Merci Seigneur pour les espérances nouvelles à toi. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que désormais, nous n'allons plus nous comporter comme si nous étions dans la maison de l'ennemi, mais nous allons nous comporter comme des personnes qui sont nées dans la maison de Dieu. Nous te rendons toute la gloire, honneur, la magnificence, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia.